plein de nouveaux habitants, l'inventaire et une nouvelle fonction qui est représentée sous un pot de peinture vert pour améliorer nos roleplays. Hello les fans de Roblox, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve sur Pokémon, comme vous l'aurez deviné, comme vous l'aurez vu le titre de la vidéo, il y a une nouvelle mise à jour sur Pokémon. Et oui les amis, on va tout de suite voir ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, mon roleplay. À la fin, il y a la mise à jour d'Adopt-Me. J'avais fait un petit clin d'œil parce que j'avais trouvé les objets perdus d'Adopt-Me. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, vous abonner avec la cloche de notification, comme ça on sera plus nombreux. Un grand merci à tous les abonnés qui viennent. Donc ça se présente juste ici. Il faut pas oublier que les jobs, regardez ça, changer un peu la vignette. Avant il marquait job et maintenant bah il y a cette espèce de feuille avec un papier et un crayon. Donc nous avons cette fonction qui va nous permettre en fait de mettre des thèmes, mais ce sera sous forme d'hologramme. On va tester la première gratuite parce que oui, regardez les amis, oh my god, les amis, il y a des immeubles, ça fait City Ambiance New York pour que notre Brookhaven nous soit un peu plus moderne. Attendez les amis, je vais vérifier avec vous si c'est des hologrammes ou si c'est des vrais bâtiments. C'est sûrement la meilleure mise à jour de Brookhaven qui pourra nous améliorer. Donc voilà les amis, dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré dans cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à la liker, je vous l'ai déjà dit, mais il y en a certains qui ne le font pas. Merci à tous pour vos commentaires qui m'interrogent, qui m'interroge. Et évidemment, je n'arrive plus à parler. Qui m'encourage. Donc les amis, regardez, il y a un nouveau pass. Et vu que je n'avais pas encore, je vais vous montrer tout simplement sur notre vidéo ce que sont les autres passes. Mais tout d'abord, je vais d'abord vous montrer ceux qui sont gratuits. Nous avons celui-ci qui va nous permettre, très pratique pour les roleplays, violets dans ses couleurs. Et les autres couleurs rose et vert seront payants pour le pass. Donc les amis, ça fait vraiment espèce de ville avec des sucreries, la ville du bonheur avec les sucreries, les arbres colorés et tout les amis. Donc voilà, en fait je trouve que Wolfpack, le créateur du jeu, s'est beaucoup inspiré des faux vous savez les faux Brookhaven, il y en a sur Blox, il crée des faux jeux les amis. Et il y a Brookhaven zombie, Brookhaven à la ville de sucreries. Donc il s'est peut-être dit bah, pourquoi pas le faire dans le vrai plutôt que les joueurs pour faire des replays vont jouer sur les autres jeux. Ensuite les amis, nous en avons un qui est sûrement le meilleur des trois. Après je sais pas, mais en tout cas moi je trouve qu'il est très intéressant. C'est un parc pour un parcours de voiture que vous pouvez effectuer dans Brookhaven. Donc ça pour les grands pierries, pour les roleplays, ce sera génial. Pareil pour ceux pour les hologrammes de New York, un peu le premier que je vous ai montré. Vous allez voir, regardez moi ça. Alors est-ce que quand on passe dessus ça nous accélère? Je ne pense pas les amis. Donc regardez, nous avons un parcours sur toute la map sans exception. Il y a partout des flèches comme ça qui vous indiquent où aller les amis. Je trouve ça super beau, en plus on est de nuit donc c'est vraiment très beau effet néon. Donc les amis, ne vous inquiétez pas, l'image va s'améliorer au fur et à mesure. On se retrouve sur, comme ce que je vous ai dit, une autre vidéo d'une autre youtubeuse qui a, elle, acheté le pass. Donc voilà comment ça se présente. Alors ils disent en fait ce pass est fait pour ceux qui sont très forts au roleplay, qui filment des vidéos et tout ça. Donc voilà, elle achète le pass tout de suite les amis, et elle va nous montrer tout ce qu'il y a dans ce pot de peinture. Non, je rigole. Donc ça ressemble vraiment à la première image que nous avons eue de celui qui est gratuit, mais là c'est fait beaucoup plus futuriste. New York, Los Angeles, bref, tous les pays en Amérique, les amis, ça fait vraiment très très penser avec ces néons, ces LED, ces bâtiments futuristes pour vos roleplays. Ça sera exceptionnellement utile. Alors les amis, regardez-moi ce thème juste horrible. Mais pourquoi ça rame? Bon, ok les amis, ça rame. C'est l'image d'un Brookhaven vraiment en mode abîmé et abandonné. Regardez-moi les fissures au sol et même la rouille qui se met partout. Donc les amis, l'avantage c'est qu'on a la possibilité de plusieurs couleurs.
Alors les amis, le thème des chevaux, c'est pour les roleplay avec les chevaux. En fait, ça vous met tout simplement, c'est assez simple. Je trouve qu'il aurait dû le mettre quand même gratuit ce thème parce que c'est pas exceptionnel. Ça vous met juste des parcours de chevaux un peu partout dans la ville. Mais au niveau de la ville, ça change rien à l'intérieur, c'est juste dans la campagne de Brookhaven. Ok, les amis, donc vous voyez, il y a tout ça. Et là les amis, regardez-moi ce thème de guerre. Il y a des impacts, des véhicules en feu et tous les bâtiments sont en feu. C'est juste horrible les amis, c'est parfait pour les roleplays de sur la guerre. N'hésitez pas à aller voir le roleplay que j'ai fait sur la fille qui part à la guerre. Oui les amis, j'ai fait assez de roleplay vu que je n'ai pas sponsorisé, mais plus sur Brookhaven. Dites-moi les amis en commentaire si vous préférez les roleplays ou les vidéos gaming où je joue faire des escapes. Donc voilà les amis, j'ai besoin de votre avis pour que je fasse des vidéos qui vous conviennent le mieux. Et les amis, regardez-moi ce dernier thème qui est un parcours pareil pour les voitures mais pour les hélicoptères. Donc moi évidemment j'ai vu que j'ai le... Le premium Bagelé, mais je trouve que c'est super bien. Donc les amis, maintenant on passe à la seconde étape de cette mise à jour incroyable. Ils nous ont dit qu'au niveau de l'avatar, il y a beaucoup plus de vêtements. Les amis, je trouve que ça serait tellement plus pratique pour les roleplays. Dites-moi en commentaire que dans l'avatar, donc dans le menu avatar, il y ait comme dans Adopt Me, les changements de corps, des corps musclés, des corps fins et tout ça, vous voyez. Enfin, tous ces les corps de repos et tout ça, les corps, bref, les changements de corps pour qu'on fasse la différence fille garçon dans les roleplay, je trouve que ça serait tellement plus pratique. Donc voilà les amis, moi j'aimerais que ça soit ça, mais bon, apparemment ça n'y est pas encore. Alors en coiffure, il n'y a rien de nouveau, mais il y a quelque chose de nouveau, pas dans les lunettes, mais dans les sacs à dos, au niveau des sacs à dos et tout ça. Donc là je vérifie la coiffure. Ok, en tout cas il y a énormément de nouveaux vêtements et ça, je trouve que plus on avance dans les mises à jour, plus Wolfpack s'améliore au niveau des vêtements, beaucoup plus. Vous savez que Brookhaven, le jeu n'est pas du tout, enfin, il ressemble pas beaucoup à Adopt Me, parce que déjà Adopt Me c'est plus en mode game, vous voyez ce que je veux dire, en mode arcade, et Brookhaven c'est plus basé sur le mode réaliste, donc les vêtements sont beaucoup plus réalistes, c'est parfait pour les replays, les mini-films, les courts-métrages. Donc voilà, encore une fois les amis, commentez. Yeah, ok les amis, alors là j'ai choisi un petit t-shirt Vans avec un pantalon à carreaux, des fois c'est à la mode, des fois c'est pas à la mode, bref les amis, je suis en train de naviguer parmi ces tonnes de vêtements, et c'est pareil dans la catégorie garçon, c'est juste que là je suis dans la catégorie fille, donc au niveau des couleurs de peau, ben non, vu que là vraiment au niveau des couleurs de peau on a tout le choix les amis, hein. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas assez de couleurs de peau, alors là je comprendrai pas, hein. Ok les amis, c'est quoi ça, oula, c'est, je suis un arbre les amis, on dirait un chou-fleur, regardez moi Alors les amis, petite astuce, regardez, vous zoomez et puis vous allez là et regardez, votre avatar a disparu. Oh non! Le travail d'arrêt a disparu. Oh non! Non, pas maintenant! Oh non! Donc les amis, c'est bon, je me suis reconnectée, ça vous donne un petit aperçu de tout le vêtement qu'il y a au niveau de la catégorie fille. Je trouve qu'on a largement le choix. En tout cas les amis, ben regardez, c'est bientôt la fin de cette vidéo, ce sera tout pour aujourd'hui et ce sera tout pour cette mise à jour. C'est déjà bien, c'est une énorme mise à jour très utile, et regardez, à la fin il y a marqué Stand Be More, ça veut dire que il y en aura une à prochaine à venir. Donc voilà, moi je vous quitte sur un petit stand de squad, une petite séance de course. Les amis, je vous fais à tous de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous jure, vous regretterez pas, je poste une vidéo toute minimum une chaque semaine, donc voilà les amis, souvent je poste deux ou trois, mais bon, c'est rare que des fois je n'ai pas d'imagination, ça arrive, hein, ou que je n'ai pas le temps, tout simplement, parce que le montage, ça prend assez de temps. Et regardez, au niveau des secrets, juste petite parenthèse, le zombie est revenu. Je compte bien continuer mon aventure avec ces secrets de Brookhaven. Avant, il n'était pas là, on l'a retrouvé dans la ville. Laissez tomber, allez voir sur la playlist les secrets, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les amis, je vous dis à tous, bye bye. Oula, non, on n'a pas besoin d'un pistolet.
voilà, calme-toi Luna. Ok, donc voilà, et au nouveau venu sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne Luna Roblox. C'est parti les amis, je vais de suite commencer le montage de la deuxième vidéo que je posterai à peu près dans 2 jours je pense. Donc voilà, je vous quitte, j'ai du boulot à faire. Bisous.